sauter par au-dessus. Ouais, ça j'avais bien. La route est bloquée un peu plus loin. Ouais, par il faut nous ici. dépêcher. Ah, ici alors. C'est bien ça. Hop là. Ça me plaît. Hop là. Je suis un autiste. Je suis un autiste. Non, je veux pas. Ça, c'est la map, donc à gauche. Ah ouais, ok. Le banc, non. Moi, j'ai pris ma naine. Aïe. Et de la bagarre. Bang, baston. Alors, en mode caméra, c'est une blague. Le champ de bataille, R3 pour parcourir des cibles. R3. C'est une blague. LOL. C'est quoi ce truc? D'accord. Ah ouais, on a un mode de combat tactique, pourquoi pas. Si je fais quitter. Oh ouais, ce lieu. Bah tiens, Super Saiyan. Tiens la naga. Ou je sais pas trop quoi, mais. Boum. Par contre, on met des petites claques, hein. Faut arrêter quoi. C'est un bébé là. Oh, j'ai tapé dans le sol, mais ça n'a rien fait. Bref. Ouais, goûte mon épée. Goûte au tranchant de mon épée. Catin. Souviens pas de ce qui s'est passé. S'en fout. Je vais tous vous tuer. Vous auriez dû inventer une histoire. C'est ce que vous auriez fait. C'est plus crédible et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Encore de la bagarre, ça me plaît. Tchouk. Tchouk. Bon, Super Saiyan. Boum. Et bim. Oulolol. Oulolol. Ah, ça vous voit. Ah, vous êtes à terre. Par contre, j'ai rien de spécial à faire. Mais... Franchement. J'ai plusieurs sorts, ok. Donc le L2 ça me permet de scroller en fait entre les 4 premiers sorts et les 4 deuxièmes, 4 secondes. J'espère que Léliana s'en est sortie. Elle a de la ressource, chercheuse. Allez. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé. Nous y sommes presque. Allons-y. Sauverons nos compagnons. Pour la liberté. Et l'honneur. Oh là. Nous devons la refermer. Ok. Il ne cesse d'affluer. Aidez-nous. Allez, hop, on passe en Super Saiyan. Boum, on te met une claque. Une belle tatane, t'es à terre, gaillard. T'as rien compris. Bon, je vais refermer la faille avec la croix. Boum. Bon, je sais pas si j'ai fini. Niveau supérieur, votre santé, vos statistiques ont augmenté. Vous avez gagné un point de caractéristique de capacité à utiliser. Ok. Appuyez sur option pour ouvrir le menu héros et sélectionner les archives personnelles pour voir l'écran capacité. Option. Ça, je peux faire. Fermez. C'était quoi? Archives personnelles? Oui, capacité. Alors, mais donc ça c'est arme bouclier, donc non. Arma de main, oui. Alors, chaque arbre de... Ouais, ça on connaît. Chaque arbre de capacité contient des capacités actives, des améliorations et des capacités passives. Donc, les actives, c'est celles qu'on utilise. Les passives, c'est celles qui vont nous donner un boost, par exemple, de... Enfin, une amélioration de dégâts, de défense permanent. Et les améliorations, par contre, ce sont des améliorations. Voilà. Je pense que je peux pas dire ça mieux. Sont liés à une capacité et la rendre plus puissante. Voilà, donc c'est améliorer un sort, une attaque. On va voir ça tout de suite. Alors, donc on a ici la fameuse arme. Donc ça c'est mon arbre. Donc je suis ici. Je peux. Grand fracas, donc je lance une puissante attaque qui anéantit les ennemis et les renverse pendant une courte durée. Donc c'est effectivement, je pense que je l'ai, non?
Oui, je l'ai. Donc c'était mon fameux carré. Donc le fait de taper très fort et de les faire trébucher. Donc j'ai briseur de bouclier, donc les nanas. Les coups critiques fissurent les armures et les boucliers de l'ennemi pendant une courte durée. Donc réduction d'armure de 20% pendant 6 secondes. Ça vaut le coup. Donc une entaille protectrice, vous tenez prêt à dévier la prochaine attaque et à asséner un contre. Oh. Donc les dégâts, c'est 150% de l'arme. Des dégâts de l'arme de l'ennemi, je suppose. Ça prend 10 points d'endurance et 5 points par seconde. Alors là, je sais pas du tout. Le briseur de bouclier me plaisait évidemment très bien. Je pense que c'est lui que je vais prendre. Mais l'entaille vaut le coup, mais je sais pas, c'est les points d'endurance par seconde qui me chatouillent. Ouais, bon, on va faire ça. Hop là. Voilà, donc je viens d'utiliser, j'ai en bas à gauche 0 points à utiliser. Je confirme. Ça, c'est tactique, les attributs. Voilà, donc j'ai un point. Non, je pensais un point d'attribut, mais non. C'est quoi, c'est une blague? Donc j'ai mon Hildre. Voilà. Détail, changer de personnage, on s'en fout, le comportement. Ah ouais, c'est la façon de gérer son groupe. Si il faut utiliser des potions, à combien de temps il faut utiliser des potions et compagnie. Maître de guerre, par contre, maître de guerre, c'est les cris. Voilà, c'est bien ça. Bon, c'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. Donc ça, c'est les cris, c'est plus du soutien que du combat proprement dit. Ce qui peut être vachement utile quand même, vu qu'on est à 4. Rappelons-le. Voilà, je viens de faire disparaître la faille à l'instant. Le danger est écarté pour le moment. Je peux pas défoncer la porte. Ouais, Ce truc sur ouvrir, votre main c'est est nul. utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Il faut préparer les soldats. Ah, les Et voilà. voilà. Enfin. T'es bif. Chancelier Roderick, Je voici. Sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire cette criminelle à Val-Royaux pour qu'elle y soit exécutée. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Ouf. Et vous êtes une... Elle est au service de sa sainteté, vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine, et c'est à ses ordres que nous obéissons. Eh oh, je suis là. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Vous n'avez rien à faire ici. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Allah. C'est parti, c'est la guerre. C'est la force. Elle me consume. Elle m'oblige à passer du côté obscur. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on se casse. Alors, passons par les montagnes. Allez hop. Là où est-ce qu'il y a tous les morts là? Coopérez. Vous connaissez tous les enjeux. Cool. C'est là où est-ce qu'il y a eu tous les morts? Il y a une unité complète qui est morte. Nous on va aller à 4. On est des Jedi nous. Opérez les conséquences. Chercheuse. Défonce-le. Le temple par le chemin de la montagne. Bon,
la monter, hein. Je pense que j'ai pas le choix. Et bon, ça c'est juste pour montrer aux joueurs, on a fait une échelle, prenez-la. Voilà. Parce que pour le même prix, il me faisait passer ça et puis c'était tout. Le tunnel devrait être droit devant. Et l'accès au temple de l'autre côté. Super. De quelle sorte de tunnel s'agit-il ? D'une mine. D'une mine ? Il fait partie d'un ancien complexe minier. Ces montagnes sont pleines de passages de ce genre. Et vos soldats disparus sont là-dedans ? Ainsi que ceux qui les a enlevés. On découvrira tout ça bien assez tôt. Voilà, ça c'est le genre. On a fait des escaliers, des échelles, et on vous le montre parce qu'on est fiers de l'avoir fait. Ah, là, ça sent la bagarre. Ça me plaît. Ouais. Ouais. Salut. Bim. Putain, y a rien compris, d'ailleurs. Provoque. Affaiblissement. Et il y a plusieurs ennemis, en fait, dans le temps. Bah. Tiens. Déguste. Là. Ici. Bim. Oh bon, hop, je tape dans le vent. Ah, je tape le vent. Mais en fait, ils servent à rien, ces spectres. Je me trompe? On va continuer à avancer. Évidemment, il n'y a plus personne. Je vais tenter. Non, on peut pas casser, ça c'est nul. C'est ce qui me plaît. C'est de tout détruire. Et encore une fois, Regardez, je fais des grosses entailles. Oh ouais, j'ai un gros cure-dent. Où sommes-nous? Serait-ce donc la fin? Je vais mourir maintenant, dans d'atroces souffrances, dans le noir. Putain, je suis claustro, les mecs. Je vais mourir. Là-bas. On a des points rouges sur la carte. Donc c'est bien des ennemis. Et je passe en mode Super Saiyan. Yoda ! Ah, t'as pas compris là. Tiens. Et je pense qu'en fait c'est un taunt que je fais. Donc un taunt, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Ça oblige les ennemis à nous attaquer, nous en fait, et pas les autres. Et je pense que c'est ça que je fais le mode Super Saiyan. Enfin, mon triangle. Je ne sais pas. J'ai toujours pas regardé. Bim! Tchon! Meurs! Communiste! Oh, il y a des morts. Oh, il y a des morts. Il y a des copains. Je crois qu'on a trouvé les soldats, ouais, bien sûr. Les autres pourraient se terrer plus loin. La brèche doit être notre priorité. Tant que nous ne l'aurons pas refermée, personne ne sera à l'abri. Ça, c'est l'affaire du deuxième nain de l'équipe. Deuxième nain, vas-y. Je saute. Ah, il y a encore une faille. C'est parti. Bon, il y a de la bagarre. Bim. Attendez, je vais faire un provoque. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est un taunt. Tout simplement. Bon, je vais détruire les failles pour être sûr. Voilà, sayonara la faille. Lieutenant, vous êtes en vie. C'était moi une. Salut toi. Ça te dirait de te battre à mes côtés? Ah, on va avoir des coquins ici. C'est quoi, c'est une blague? Fermez la faille. Ah, c'est ce que je fais, hein, garçon. Maintenant, je peux le faire, voilà. Évidemment, tant qu'il y a des ennemis, on ne peut pas fermer la faille. Ça paraît d'une logique implacable, mais bon. Enfin, voilà. Elle est refermée. Pourquoi on pourrait pas la fermer avant ? Prendre le coup de main ? Ça éviterait d'avoir des renforts ennemis tout le temps. Ça marchera sur la grande. Ah, notre ami. Ah oui. Je ne crois pas qu'on aurait pu tenir très longtemps. Bah, forcément, si tu mets une femme. Remerciez notre prisonnière, lieutenant. Elle a insisté pour qu'on prenne ce chemin. La prisonnière ? Alors vous... Pas le temps de bavarder. Il faut qu'on atteigne la brèche. Et vite. La brèche ? Je ne... La voie est libre vers la vallée derrière nous. Allez-y tant que vous le pouvez. Entendu. En avant, vite !
Ça vaut la peine, putain. Notre route semble également dégagée. Dépêchons-nous avant que ça ne change. C'est parti, allons vers le... vers le temple. Entrer dans le temple, voilà. On va aller faire un petit brin de prière. Ça, c'était une mauvaise idée, ça. Oh, putain. Bon. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? R2? Les trous. D'accord. L'immatériel. Ils n'apparaissent pas. Bon, comment je peux faire ça? Absolument, si. Hop. Option, non. Dans le menu. Archive personnelle. Je peux pas utiliser une... Non, ça c'est les... l'inventaire, voilà. L'inventaire. Accessoires. Alors là, j'ai aucune idée. Amélioration. Non. Accessoires, non. Accessoires. Non. Essence d'esprit, ouais. Ok, objet de valeur, rien du tout. Je suis un pauvre, voilà. Un pauvre crasseux. C'est Hilder que j'ai besoin. Est-ce que j'ai pas une popo là? C'est une blague ou quoi? Bon, alors, on gagne. Voilà, les statistiques. Donc là, je gagne. Si je mets le pourpoint du défenseur. Ah ouais, c'est équipé par. Ah, d'accord. Donc c'est les armures des autres joueurs aussi. Bon bah. On va continuer notre. Notre épopée, mais voilà, donc les objets qui sont dans nos inventaires, c'est exact. Peuvent être passés allez, par les uns et les autres joueurs. Donc il y a possibilité de s'échanger. Mais encore une fois, ça dépendra de la classe que vous jouez et des attributs de ces armures. Voilà, donc faites bien attention à ce que vous faites. Oula. Super. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Je saute. Bon, il s'est passé un truc dans le temple, ça c'est sûr et certain. On voit la tronche du temple. Et tous les gars qui sont occupés de rester là, en pierre. Ils ont été stonifiés. Et ça n'est pas l'œuvre de Médusa, croyez-moi. Qui es-tu ? Montre-moi qui tu es, et je te détruirai. Oh. C'est vrai que cette brèche n'est pas de près. On y va, hein. On n'a pas le temps, elle l'a dit tout à l'heure. Vous êtes là, le créateur soit là. C'est qui ça? C'est Lyanna. Putain. Ordonnez à vos hommes de cerner le temple. Les elfes ont barré. Tarlouse d'elfes. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête? Bah ouais. Après, je me fais condamner. Génial. J'imagine. On va la jouer un plan pour mon super sûr de soi. Non. C'est une faille. Qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être fermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Faites attention. Ouais, super quoi. Et après, je me fais zigouiller la tête à la façon Louis XVI. Non, c'est pas ça, le concept. L'heure de notre victoire a sonné. Oh là, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton père. Bagarre. Voilà, tu vois. Kamehameha. C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais... Oh punaise. Oh, ça c'est badass. C'est qui? C'est quoi? Que se passe-t-il ici? Je sais pas, c'est la merde. Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons une intruse. Tu es la même. Super. Pourquoi j'ai toujours ma gueule? Putain, tout ça parce que je suis naine, c'est ça? Il a attaqué. Et la divine escalée? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là? Elle pète un câble. Viens pas. Des échos.
écho de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit... Des démons. Va-t'en, catin. Allez, bagarre. Super. Ils viennent d'où, ces pédales? Ah, super, ils sont au taquet, là, les gars. T'inquiète. Et alors, un elfe noir, ça, j'ai jamais vu. Va falloir m'expliquer. C'est bagarre. Allez. Je ferme la faille. Je l'ouvre d'abord. Voilà. Je la ferme. On parie? Salut, Nounou. Et on a Diablo. Maintenant. Putain, on est dans la merde. On parie? Oh punaise. Salut. Bon, super. Bon, on va le défoncer lui. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de... Oh là, le taunt, c'était pas une bonne idée. Épuisez-le. C'est super bien l'arme à deux mains, ça fait des dégâts à mort. Mais excusez-moi. Ah, mais c'est mou du genou, hein. Oh là là. Au niveau fréquence de... Allez, de FPS. DPS, au niveau de DPS, excusez-moi, je dis de la merde. C'est violent, hein. Oh, yoy, yoy. Elle pique. Visez la faille. What? Wout. Elle est où, la faille? En contrôlant votre personnage. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, là, perturber la faille, c'est parti. Maintenant, go frag, les gars. Et je suis, bien sûr, je suis très loin. Voilà, super saiyan. Oh punaise, j'aurais peut-être pas dû. Bim. Alors, tu fais moi le malin. Hein. Aïe. Il met une claque par contre. Je me casse. Si t'as un soin, c'est le moment. Je vais essayer de me claquer derrière lui. Voilà. Il y en a d'autres qui sortent de la faille. Super. J'adore. Je vais me charger des petits, hein, les gars. Ce sera toujours ça de fait. Oh. Ah, lui invincible. Ok, donc je dois me réoccuper de la faille. Voilà, on va se réoccuper de la faille afin de régénérer une faiblesse dans notre ennemi. C'est parti. Immunité. Je vais me mettre dans son dos. Et je vais le marabre la gueule. Oh bah ça c'est raté. Oh, le tome c'était une mauvaise idée. Mais HP de dégâts, 41. J'espère que les autres en font plus parce que là... C'est un petit peu... Bon, je vais reperturber la faille. Je vais me barrer. Ouh, tu m'as pas vu, Shazam. Je suis le... Voilà, je reperturbe la faille. On verra bien ce que ça va donner. Boum. Allez. Je vais repasser dans son dos. Il est où? Il est là, le chacal. Bim. Chaud, hein. Je sais pas du tout où est ma vie. J'ai l'impression de rien prendre et en même temps ça reste quand même... Ah, je dois reperturber la faille à nouveau. Vous remarquez que ce combat passe dans ces phases-là en fait. Voilà, donc là je lui ai enlevé son armure, on va dire ça, son invulnérabilité. Donc c'est à moi de le découper en morceaux maintenant. Et je pense que c'est pour... J'ai bientôt fini. Allez, maintenant. Comment ça? Et où? Fermez la faille maintenant. Ouh. Allez-y. C'est parti. Et vous remarquez que j'ai eu un nouveau codex
aussi quand j'ai tué l'ennemi. Donc à mon avis les codex, ce sont tous les bases de données sur les monstres et les explications. Ouh, une faille en moins. Alors on dit quoi à ça, messieurs les démons? Ah, bientôt vous allez faire à votre froc. Boum, n'a plus. Chargement en cours. Et maintenant, on va voir si on va se faire exécuter au nom de la patrie ou pas. Ou vont-ils faire preuve d'un peu de clémence à mon égard? J'ai des doutes. En tout cas, j'ai déjà une maison, c'est déjà ça. Oula, saloperie d'elfe. Casse-toi. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne... Tue-le. Je ne crois pas. Lol. J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, noble dame. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Ah ouais. Super. J'ai sauvé le monde. Je ne parle que de ça depuis 3 jours. Super. Les gens sont contents. Donc vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Putain, mais... Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'elle ouvre les yeux. Super. Donc, l'exécution, c'est peut-être pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, mais bon. Alors, fouiller. Je vais me faire... Ouais, je vais me fouiller la baraque. Tranquille, Elfidée. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va voir dans le codex. Hein. Allons voir le codex. Hein. Voilà. Donc, le personnage. Donc, créature. Je vais déjà commencer par là. Alors, démon de l'orgueil. C'est bien ça. Donc, les démons les plus puissants que l'on ait rencontrés à ce jour sont ceux de l'orgueil. Peut-être parce que de tous leurs congénères, ce sont ceux qui rassemblent plus d'hommes. Ils sont aussi intelligents et manipulateurs que les démons du désir, avec un penchant presque humain pour l'ironie cruelle. Alors que les démons du désir préfèrent corrompre les mortels, ceux de l'orgueil se servent de leur propre vertu à leur rencontre. Les intelligents se dupent eux-mêmes, les forts s'écrasent, les modestes s'oublient, les jaloux se craignent. Ils ont élevé la corruption et la ruine au rang d'art. Voilà, autant dire que c'était sympathique, je me suis battu contre tout ça, tranquille. Alors, et on avait... Bon, le reste, je vous le passe parce que... Ah, lire. Observation d'une patiente. Vain espoir. Que quelqu'un de plus doué que moi prenne la relève avant que la survivante expire. Prise de notes au cas où. Ok, super. Bon, je dois pas refaire mon lit, je suppose. Hein, étant donné qu'il y a de fortes chances que je me fasse exécuter dans l'heure. Ou pas, en fait. Tiens, la porte s'ouvre. J'ai rien demandé, elle s'est ouverte. Super. Oh, oh, hein. Salut. C'est quoi, ça? On va aller doucement, qu'on se fait jeter des pierres. C'est elle, c'est la messagère. Bon, bah, on va monter, hein. Étant donné que sur la carte, la petite étoile me signifie mon... mon objectif. Je vais aller me rendre à mon objectif directement. Et à mon avis, je vais aller voir Dame Cassandra. Tiens, ouvrir. Voilà. C'est bien ça. Ah, lire. Un cantique pour les défunts. Ouvrir. Je vais quand même éviter d'ouvrir toutes les portes. Et je vais essayer de passer au maximum les blablas. Enchaînez-la. Je veux qu'on la prépare pour son procès. Super, merci les gars. N'en faites rien. Laissez-nous. Laissez-nous. Lol. Alors lui... Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace.
Je refuse de fermer les yeux. Vous me soupçonnez toujours ? Donc je suis toujours une suspecte, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Exactement. Non, c'est la providence. Le créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Lol. Vous avez remarqué que j'étais une naine, n'est-ce pas ? Je n'ai pas oublié. Quoi que vous soyez, et quelles que soient vos croyances, vous êtes exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seule espoir de la refermer. Ok, cool. Ce n'est pas à vous d'en décider. Boum. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier ? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, la naissance de l'Inquisition. C'est parti. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Sans votre approbation. Super. Alors le paysan, il a l'air... Tu fais moins le malin, là. On appelle ça un putsch. Dégage. Allez hop. Ce sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos. Et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Je veux aider. Allez, on va le faire en mode suceur. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre. Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Lol. Elle veut un bisou aussi. Putain, elle se la joue en mode copain-copain. Il y a deux secondes, elle voulait m'exécuter et maintenant elle veut faire sa copine. C'est une blague ou quoi ? Ah, je lui ai sauvé les miches, elle le sait bien. Vol. SMS, vol. Inquisition. C'est la guerre. Et voilà, nous voici vraiment dans le jeu. Toute cette partie n'était qu'un prologue, un prélude. Et c'est parti.